par d'abord les ADF Nalu, mais aussi par le terroriste M23, AFDC, qui sont soutenus par le Rwanda. Un message vraiment passé, la population c'est vraiment approprié, et la marche est vraiment, elle a lancé un message au monde entier, à la communauté internationale, pour dire non à Nanga, pour dire non aux ADF et pour dire non à l'occupation congolaise. En fait, il y a des gens, des jeunes qui se sont déjà donnés. Ce que nous pouvons appeler au gouvernement, c'est de soutenir le Wazalendo d'abord militairement, mais aussi logistiquement, parce que on ne peut pas faire la guerre sans la logistique, et sans la logistique, on ne peut rien faire. C'est ce que nous appelons, la population est derrière ça, et la marche a appelé la population à s'approprier la lutte de l'armée FARDC et du Wazalendo, à soutenir et à ne pas céder à la ruse ou à la stratégie rusée de l'ennemi.